My name is Scott Simon, professor here at the University of Ottawa. I would like, first of all, to welcome everybody to our conference. J'aimerais juste dire un mot de bienvenue. Merci d'être venu pour notre colloque. We'll begin our plenary with our keynote speech tonight. I'm very honored and very happy that we can invite Professor Marc Abelez, who's coming from the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. Monsieur Marc Abelez, professeur à l'école, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, est venu de Paris pour la conférence d'ouverture. Je suis très ravi de le présenter à vous. Il a publié beaucoup en anthropologie politique. J'utilise souvent ses livres dans mes cours. Donc, les livres dans Pensée au-delà de l'État, la globalisation, l'anthropologie de l'État, etc. Et for those who read more in English, I'm very happy to say he's just published with Cornell University Press a new book called Thinking Beyond the State. So I think that's something that will bring his ideas open to people outside of the French-speaking world. That's a great accomplishment. He's certainly one of the best anthropologist that France has, and a big leader in political anthropology. So I think we shall welcome him. So, merci et bienvenue. So, before we begin, I just want to make two reminders, and then we can begin. First of all, the headsets, please remember to return them as you leave. Secondly, we have ballots. So please, these are in your conference bags. Please take a look at them and read it, and then drop it off in the ballot box at registration. Il y a un bulletin de vote pour l'Union internationale des sciences anthropologiques et ethnologiques, et vous pouvez le laisser soit à l'inscription. Et je pense que est-ce que les boîtes sont ici? Ron, do we have boxes for these here too? We have boxes here in about half an hour. In about half an hour. Okay, and then without any further ado, I'd like to ask our speaker to begin. And so, merci, Marc. Merci. Est-ce que vous m'entendez, là? Oui, bon. Bonjour. Je suis très honoré d'être invité pour faire cette keynote, là, cette conférence inaugurale. Je suis très heureux pour deux raisons. D'une part, parce que j'ai été très impressionné par la diversité et le nombre des participants que vous avez réunis. Et par ailleurs, j'ai été aussi très intéressé par l'amplitude des questions qui sont posées par ce thème du mouvement. Et je dirais enfin une troisième chose, je viens d'un pays où actuellement, comme vous le savez, il y a des situations très compliquées, très très difficiles, très dangereuses même, et je dois dire que cette situation est en grande partie créée par un certain nombre de forces dans mon pays, qui sont totalement hostiles au mouvement et à la mobilité. Donc, rien que ça, c'est aussi une raison pour intervenir d'un point de vue politique. Mais encore une fois, j'ai pu voir dans le programme, et ça m'a aussi beaucoup intéressé, cette question de mouvement est traitée beaucoup plus largement, au-delà des questions des humains, dans le rapport aussi entre l'homme et la nature, et tout cela augure d'un colloque, d'une conférence très intéressante. En ce qui me concerne, je vais essayer de m'interroger sur la façon de penser les sociétés et le monde en mouvement aujourd'hui. C'est sans doute l'un des défis essentiels auxquels est confrontée l'anthropologie dans un univers profondément transformé par l'intensification des flux. Depuis un quart de siècle, on a multiplié les descriptions et les analyses de ces mutations. On ne peut cependant s'en tenir à un empirisme prudent et routinier. Cela reviendrait à considérer que la position de l'observateur n'a pas changé depuis l'époque héroïque des pères fondateurs de l'anthropologie. Le simple fait de penser le contemporain en termes de circulation, de friction, de tension sur la planète amène à repenser nos fondements épistémologiques. Dans cette orientation qui se situe au croisement de l'anthropologie et de la philosophie, je propose d'adopter un point de vue héraclitéen pour interroger les enjeux du temps présent. Pourquoi cette référence à Héraclite? Alors, je vous rappelle qu'Héraclite était un philosophe qui vivait entre 510 et 450 avant Jésus-Christ, philosophe grec qui nous a laissé des fragments et qui passe pour être le premier penseur
de la mobilité et du devenir. On connaît l'aphorisme célèbre selon lequel on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Aristote notait que, dès sa jeunesse, Platon était devenu d'abord un ami de Cratyle et par là familier des opinions d'Héraclite, selon lesquelles les choses sensibles sont dans un flux perpétuel. C'est une référence à Héraclite qu'on trouve dans la métaphysique d'Aristote. Mais nous ne savons pas grand-chose d'Héraclite, et curieusement, il est notre contemporain. Sa pensée éclaire un monde dans lequel nous vivons et nous nous perdons parfois, un monde qui n'a de cesse de surprendre et d'inquiéter. J'ai quelques souvenirs d'un passé désormais bien lointain, où la division entre l'Est et l'Ouest assurait une sorte d'équilibre, l'équilibre de la terreur, on disait à l'époque, mais où dans chaque camp, l'ordre régnait. Communisme, capitalisme, les deux antagonistes étaient en quelque sorte incarnés, nommés. De même, il y avait le centre et la périphérie, les pays développés et ceux qui ne l'étaient pas. La planète avait ses différents quartiers et cet ordre paraissait à beaucoup d'observateurs immuable. La lecture rétrospective de la littérature politique sur le bloc soviétique à l'époque témoigne du fait que dans leur immense majorité, les spécialistes, entre guillemets, ne pouvaient même imaginer l'effondrement de ce régime. Or, c'est un fait qu'à partir des années 1990, on est entré dans une période d'intense mutation, et notamment dans notre rapport au temps avec la révolution numérique et le règne d'Internet d'un bout à l'autre de la planète. Ce qui implique une accélération de la circulation d'informations et une augmentation exponentielle de leur volume, avec des conséquences aussi bien sur le fonctionnement de la sphère publique que dans la relation qu'elle entretient avec ce qui relevait jusqu'alors de la vie privée des individus. Et j'emploie à dessein ces deux termes, public et privé, qui semblent aujourd'hui presque anachroniques. Ce qui définit le monde contemporain, c'est la circulation, bien plus que les structures et les organisations stables. En témoignent les déplacements de population, mais aussi l'extraordinaire développement de la communication de masse avec des images qui transitent d'un bout à l'autre de la planète. D'un point de vue anthropologique, on pourrait définir la globalisation comme une accélération des flux de capital, des flux d'êtres humains, des flux de marchandises, d'images et d'idées. Cette intensification des interactions et des interconnexions produit des relations qui transcendent les frontières géographiques et politiques traditionnelles. De même, l'étirement du monde, ce que Giddens a appelé « stretching », de même l'étirement des cadres d'action aboutit à désenclaver jusqu'aux localités les plus périphériques. Et la fameuse image du village planétaire, chère à McLuhan, doit être entendue dans un sens dynamique. La conscience du global et avant tout celle des interdépendances structure notre considération de l'univers. Ce qui survient localement est influencé par des facteurs lointains. Cette mise en réseau du local est un aspect essentiel de la globalisation. Et cette interdépendance peut être vécue dramatiquement quand elle se traduit par des délocalisations et des suppressions d'emplois. Notre être au monde se trouve directement affecté par cette situation. Évoquons simplement notre appréhension spontanée de l'espace et du temps. Au niveau même de ces formes a priori de la sensibilité, je paraphrase ici l'expression célèbre du philosophe Kant, quelque chose s'est produit qui a trait tout à la fois à notre intuition de la distance et de la simultanéité. L'intensification des interconnexions aboutit à une véritable réorganisation de la temporalité, permettant à des personnes se situant à des distances considérables de partager simultanément la même expérience. Selon David Harvey, cette compression de l'espace-temps est une donnée essentielle de la mondialisation. Écourtement du temps, rétrécissement de l'espace sont les deux faces du même phénomène. Ce processus d'intensification et d'accélération qui caractérise la vie sociale et économique se situe bien dans le prolongement des mutations techniques des débuts du XXe siècle. Cependant, il s'inscrit dans un contexte plus général de crise
de crise de suraccumulation qui a atteint le capitalisme à partir des années 1970 et qui a abouti à adopter un nouveau modèle de production qu'on a appelé post-fordiste. On a vu alors se développer ce que certains appellent un régime d'accumulation flexible. C'est que la flexibilité permet d'améliorer la valorisation du capital en accélérant les procès de production et de consommation. Donc, sous-traiter, délocaliser, mettre en œuvre des technologies de contrôle électronique, c'est le moyen de limiter le temps de turnover du capital. Grâce aux nouveaux modes de circulation de l'information et grâce à la rationalisation des méthodes de distribution, les marchandises se déplacent sur le marché à un rythme plus rapide, les services financiers sont plus performants, et c'est cela qui a accéléré la financiarisation de l'économie. L'ouverture des marchés et de grands pays, à de grands pays jusqu'à leur périphérique a transformé la donne. Depuis son entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, WTO, la Chine a pris une place essentielle dans le commerce mondial, même dans des domaines où elle était jusqu'alors absente, comme la culture, le tourisme, etc. Bien évidemment, la flexibilité affecte les formes de consommation avec la succession rapide des modes. Par définition, la mode est éphémère. Rien de tel que la dictature, entre guillemets, de la mode pour alimenter constamment le désir de nouveauté, pour attirer le consommateur vers des vêtements, des objets, des musiques, etc. Cette volatilité du désir, qui culmine en une fascination pour le jetable, est en phase avec le monde de l'accumulation flexible. Un monde qui suscite des images, des simulacres, où le signe précède et obnubile le réel. Désormais, la distance et le décalage horaire se trouvent subvertis par la toute-puissance des flux. D'un point de vue anthropologique, nul doute que la perception de cette interdépendance, le fait de se mouvoir sur un double référentiel, le local et le global, a des effets considérables. Jusqu'alors, l'individu se concevait et se vivait à l'intérieur de certaines limites. D'un simple point de vue géopolitique, l'État-nation constituait un référent stable. En son sein, la dimension du local prenait une extraordinaire importance et conférait à chacun une sorte de point d'ancrage privilégié. Dans ce contexte, les constructions identitaires se produisaient dans un jeu permanent d'opposition entre soi et l'autre, entre l'intérieur et l'extérieur. Or, les migrations d'une part, les flux médiatiques de l'autre, ont bouleversé l'ordre régnant jusqu'alors. Comme le suggère Arjuna Padurai, cette situation ne modifie pas seulement la vie matérielle des sociétés, elle tend à donner un rôle inédit à l'imagination. Non que les sociétés antérieures et abondamment dans leur production mythologique, littéraire ou artistique, fait appel à cette faculté. Mais désormais, l'imagination n'est plus cantonnée à certains domaines d'expression spécifiques. Elle investit les pratiques quotidiennes, notamment dans les situations migratoires, où les sujets sont obligés de s'inventer, dans l'exil, un monde à eux. Je voudrais maintenant souligner le fait que, depuis quelques années, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la globalisation. Nous avons d'abord connu une expérience superficielle du global. Aujourd'hui, c'est la phase d'approfondissement et elle se caractérise par la prise de conscience des contradictions et des problèmes multiples induits par la globalisation. Au début, la globalisation s'est déployée dans une configuration idéologique marquée par la fin de la guerre froide. C'est l'époque où Fukuyama saluait ce qu'il nommait la fin de l'histoire, l'harmonieuse articulation enfin réalisée entre le marché et la démocratie. On trouve cette synthèse typiquement néolibérale qui associe les deux notions, marché et démocratie, comme garantie d'un monde meilleur, dans beaucoup de livres qui ont été écrits à l'époque sur ces questions. Aujourd'hui, l'époque n'est plus du tout à l'enthousiasme. On a pu mesurer toutes les conséquences négatives de la globalisation en matière de renforcement des inégalités entre riches et pauvres, entre le Nord et le Sud. Les sciences sociales ont progressivement construit une critique de la globalisation, et cela est lié à l'extraordinaire impact des études postcoloniales et subalternistes. Pour beaucoup de ces critiques, la globalisation apparaît comme synonyme de la ruine de pays entiers et de bien d'autres désastres. En même temps,
Il est clair que ce qui est en jeu, c'est le système néolibéral et l'omniprésence des stratégies et des pouvoirs financiers. En dénonçant la globalisation, en fait, on occulte souvent l'essentiel, à savoir la réorganisation du capitalisme à l'échelle mondiale. De cette controverse, on peut conclure qu'en elle-même, la globalisation n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est une donnée incontournable, un ensemble de faits qui se présente au regard du social scientist. Eu égard à l'importance de ce processus, on ne s'étonnera pas qu'elle alimente en permanence les discours sur la société, qu'ils se veuillent normatifs ou à vocation explicative. La globalisation est une matière sur laquelle travaille la théorie. On ne saurait la renvoyer d'un trait de plume aux oubliettes sous prétexte qu'elle est au cœur des débats idéologiques contemporains. Ce que peut nous apporter le point de vue anthropologique, c'est une perspective plus concrète sur l'expérience que nous faisons quotidiennement de la globalisation et la manière dont elle s'immisce dans nos représentations. Si je considère les développements actuels de l'anthropologie ou comment la question de la circulation des humains, des marchandises et ses conséquences culturelles ont particulièrement retenu l'attention des chercheurs, il me semble que cela se reflète dans les thèmes qui ont été privilégiés ces dernières décennies. J'en cite plusieurs. Les migrations, leurs avatars, les nouvelles identités qu'elles génèrent dans des processus de déterritorialisation et de reterritorialisation. Deuxièmement, la dynamique culturelle de la globalisation. Nombre d'études ont été faites sur ce que Hanertz appelait le « global acumen » et ses différents aspects. Troisièmement, les nouvelles formes de citoyenneté, l'émergence de mouvements transnationaux, de nouvelles formes d'identification des individus dans leur relation au collectif. Un quatrième thème est lié à tout ce qui est attrait à la violence et aux souffrances, à l'exacerbation des inégalités, ce que Bauman en particulier avait souligné dans Wasted Lives. Je pense aussi aux études sur les ghettos urbains, sur les camps de réfugiés, sur les traumas de guerre, sur les effets sociaux du biopouvoir. Cinquième thème aussi, c'est l'émergence de nouveaux lieux politiques en liaison avec l'extension du marché capitaliste aux quatre coins de la planète, en particulier des lieux de régulation, de négociation institutionnalisée, telle l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi des carrefours transnationaux, de sortes de villes globales où se concentrent des flux d'humains et des flux financiers et des flux de marchandises. Cependant, il me semble que nous n'avons pas assez exploré ce qui se pense dans la globalisation, ce que les gens pensent de la globalisation et la manière dont l'imaginaire social redéfinit la question politique dans notre monde en mouvement. Il y a là un champ spécifique pour l'anthropologue, et c'est un champ sur lequel je travaille plus spécifiquement. Par exemple, je suggère qu'il serait très important de développer des recherches sur les angoisses, sur les peurs que provoque la globalisation, et on peut se référer à des approches pionnières sur le risque écologique, par exemple Ulrich Beck, ou bien sur ce qu'on a appelé l'insécurité sociale. En ce qui me concerne, je suis intéressé à la manière dont ces peurs et ces angoisses contribuent à la représentation du politique et se focalisent sur ce que j'appelle la question de la survie. Je pense qu'il y a là un champ de recherche spécifique pour les sciences sociales. Cela a trait aux questions qui concernent ce qu'on pourrait appeler l'être ensemble et qui ont été au centre de la philosophie politique à propos de la constitution de la cité et plus largement à propos de la définition de toute société. Ce n'est pas seulement une question de citoyenneté, mais avant tout une question d'imagination. Je reviens sur ce terme. La globalisation produit une expérience cognitive et anthropologique singulière. Je dirais même l'expérience anthropologique est vraiment quelque chose de très important pour comprendre ce qui se passe. Cette expérience peut être décrite comme l'imbrication permanente du local et du global, et aussi du présent et du futur, du point de vue du temps. En conséquence, il vaut la peine d'approfondir ces questions du risque et de l'incertitude, et plus largement, les transformations de notre représentation du temps, spécialement eu égard au passé et au futur. Qu'appelle-t-on contemporanéité ? N'oublions jamais que la notion de mouvement enveloppe tout à la fois une dimension spatiale et temporelle. Comment, au cœur même du présent, le futur devient une préoccupation prégnante pour les gens ? Les anthropologues ne devraient-ils pas, des années après le déclin de la critique postmoderniste, réintroduire de nouveaux paramètres pour penser
la relation au présent ethnographique et l'historicité. D'autres questions importantes ont trait aux nouveaux types de conflictualité dans le monde globalisé. Je ne parle pas seulement des guerres entre nations ou entre groupes ethniques dans les États-nations, de ce qui relève des domaines de la polémologie ou des relations internationales. Je me réfère aux clivages sociaux et politiques qui caractérisent aujourd'hui le capitalisme néolibéral. Hart et Negri, dans leur livre Commonwealth, insistent sur la capacité du biopolitique de créer des formes de subjectivation créative et innovante qui susciteraient des alternatives, ce qu'ils appellent l'altermodernité, en rupture avec les formes traditionnelles d'organisation, partis ou syndicats. Et en élaborant une philosophie des flux, d'autres philosophes, tels Deleuze et Guattari, ont sans aucun doute ouvert une piste essentielle pour comprendre les mutations contemporaines. Dans leur pensée comme dans leur écriture, se trouve exprimée cette importance du devenir, qui ne peut pas être appréhendée dans des catégories figées. On retrouve le point de vue héraclitéen, et cela vaut particulièrement pour l'analyse du politique. Car, dans le domaine du politique, si l'action est reine, la pensée s'avère souvent figée par des rigidités conceptuelles qui ont pour effet d'obscurcir les perspectives et de restreindre notre capacité à appréhender le réel. Mon expérience en ce domaine m'a amené à interroger notamment l'une de ces catégories, l'État, et à proposer de s'émanciper de la toute-puissance qu'elle exerce sur la pensée politique. Et là, je vous réfère donc à deux ouvrages, qui s'appelait « The Politics of Survival » et celui qui va paraître, ou qui est en train de paraître, « Thinking Beyond the State ». J'ai par ailleurs essayé d'introduire un questionnement du lien politique axé sur l'idée de survie. Et j'ai pu mesurer, au fil des débats qu'ont suscité ces propositions, la difficulté qu'éprouvent les spécialistes de la politique, les politistes, à se départir des préventions que suscite la moindre tentative de faire bouger les choses, de mettre en mouvement, c'est le cas de le dire, le cadre analytique sur lequel reposent beaucoup de pensées. Il me semble cependant que la circulation généralisée a pour effet le fait qu'un certain nombre de données essentielles de la gouvernance, en des domaines aussi divers que l'économie, l'environnement, les droits de l'homme, ont pour une grande part été prises en charge à un niveau qui transcende les échelles locales et nationales. D'autre part, la constitution d'un front de lutte qui désigne comme cible des pouvoirs et des protagonistes, visibles ou invisibles, souvent transnationaux. Donc un double déplacement, un déplacement de la gouvernementalité, un déplacement de la résistance. Lorsqu'on évoque ce que j'appellerais le déplacement du politique, l'analyse en termes d'institutions et d'acteurs ne rend qu'imparfaitement compte de ce qui bouge en profondeur depuis une quinzaine d'années. On a pu mesurer les limites de cette approche à travers le débat qu'elle induit et qui porte avant tout sur la question de savoir si la souveraineté des États est ou non menacée par la globalisation. Si légitime soit-il, l'intérêt pour cette question risque cependant d'occulter un phénomène beaucoup plus profond. C'est ma position. La réorganisation des pouvoirs, la montée en puissance du transnational à l'échelle planétaire n'est, à mon sens, que la partie émergée de l'iceberg. En profondeur, ce qui est en cause, c'est le sens même qu'on donne aujourd'hui à l'activité politique. C'est la représentation du politique qui est en train de radicalement se transformer. Le déplacement ne se limite pas à l'apparition d'une nouvelle scène où d'anciens pouvoirs seraient remplacés par d'autres relatifs au changement d'échelle lié à la globalisation. En fait, le déplacement du politique est déterminé par une redéfinition globale du sens et des objectifs de l'action politique. Et cette redéfinition n'a pas seulement une dimension cognitive, elle se concrétise dans des modes d'agir et dans des constructions organisationnelles et institutionnelles, mais aussi dans la position de questions qui vont polariser les débats publics et la construction d'un type de lien où se produit ce débat. Cette thèse implique que l'émergence d'une nouvelle scène transnationale est l'effet et non la cause d'une mutation en profondeur de notre rapport à la politique. Ce qui signifie que dans la recherche, la séquence institutionnelle
doit céder le pas à une investigation qui porterait beaucoup plus sur les représentations de la politique. Donc sortir d'une sorte de carcan institutionnaliste qui est l'apanage des sciences politiques et qu'évidemment les anthropologues doivent remettre radicalement en cause. Pour rendre compte de cette situation, je me réfère à la distinction qu'a introduit Michel Foucault dans sa généalogie de l'État-providence entre ce qu'il appelle le pouvoir politique et le pouvoir pastoral. Je me réfère à un article qui s'appelle « Omnes et singulatim » qui date de 1982 et qui est reproduit dans les 10 écrits de Michel Foucault. Il oppose d'un côté l'État comme, je cite, « pouvoir centralisé et centralisateur tourné vers le citoyen » et de l'autre le pastorat en tant que pouvoir individualisateur s'adressant aux individus. Le thème pastoral, dit-il, prévaut dans les sociétés orientales antiques. Le thème politique, articulé autour de la notion de cité, renvoie à la philosophie grecque. Et ce que dit Foucault, c'est qu'au fond, l'État-providence aurait réalisé le délicat ajustement, je cite, entre ce pouvoir politique exercé sur des sujets civils et le pouvoir pastoral qui s'exerce sur des individus vivants. Or, c'est cette adéquation entre le pouvoir pastoral et l'État centralisateur qui me semble avoir disparu aujourd'hui. Il me semble, et c'est là le cœur de ma thèse, qu'une disjonction s'est opérée dans notre représentation et notre vécu du politique entre ce qui relève de l'individu citoyen et ce qui a trait au sujet biopolitique. Et cette disjonction est importante parce qu'il y a un véritable décrochage qui s'opère avec une nouvelle représentation, la montée en puissance d'une nouvelle représentation qui met les préoccupations du vivre et du survivre au cœur de l'agir politique. Alors que la problématique de la cité, c'est-à-dire celle du rapport entre l'individu et la souveraineté, est rejetée au second plan. C'est un déplacement des enjeux qui peut se traduire en une simple question que se pose tout un chacun. De quoi notre monde sera-t-il fait demain ? Cette inquiétude fondamentale, question précisément de la survie, produite par la perception de dérèglement à grande échelle, regardez le problème du climat, par cette perception du risque, de l'incertitude, détermine un changement du rapport au politique et la reconfiguration des lieux et des formes dans lesquels le politique s'exerce. Nous sommes donc devant un phénomène de grande ampleur. L'incertitude est devenue la toile de fond de l'agir politique. Elle modèle les conditions de la subjectivation politique et les gens prennent effectivement conscience d'une radicale remise en cause de leurs conditions d'appartenance. Cette posture a pour contrepartie une projection vers un intérêt collectif plus diffus qui a trait moins à la convivance qu'à la survie. Et j'oppose ces deux notions, convivance et survie, ou convivance et survivance, pour rendre compte du fait qu'on a longtemps vécu sous le régime de la convivance. La convivance, c'est quoi ? C'est mettre au cœur de l'action politique la question de l'harmonie synchronique entre des êtres qui se meuvent dans le même univers, dans l'univers de la cité, et qui orientent leurs actions dans l'horizon de la cité, quand bien même ils se déchirent dans des conflits. Donc la convivance, en fait, peut donner place à des théories très différentes, mais l'idée, c'est toujours qu'on peut réaliser une forme d'unité politique en ayant un être ensemble commun. Et les théoriciens du politique considèrent qu'on peut parvenir justement à créer des communautés stables, le mot d'ordre des uns et des autres étant toujours d'assurer le meilleur avenir pour chacun, faire en sorte que la cité fonctionne le mieux possible. Vous savez, il y avait une expression autrefois, on disait, à propos du communisme, ça sera les lendemains qui chantent. Il y avait cette idée qu'on allait améliorer notre sort et réaliser le collectif le plus harmonieux et le plus stable possible. Or, dans le contexte de la globalisation, il me semble que la convivance ne représente plus la visée majeure des êtres sociétaux et que les théories auxquelles nous nous référons habituellement n'ont pas véritablement pris en compte, justement, cette question qui est liée à la négativité intrinsèque de la globalisation et aux menaces qu'elle fait planer
tant sur la nature que sur la société. D'un point de vue anthropologique, ça amène à réinterroger la pertinence de certaines visions bien ancrées. Et surtout, il faut se rendre à l'évidence, la conscience du risque et de l'insécurité n'est pas seulement une donnée phénoménologique, elle induit un ensemble de préoccupations beaucoup plus vastes qui reconfigurent de part en part le rapport de l'individu à la politique. Cela veut dire qu'on ne peut plus ignorer, lorsqu'on s'intéresse au jeu complexe des échelles de pouvoir, l'impact de représentations spontanées, mais aussi de modes d'expertise sophistiqués qui reproblématisent cette action en termes d'anticipation et de précaution. C'est la raison pour laquelle la notion de survivance, la notion de survie, devient un maillon conceptuel indispensable. L'avenir, comme interrogation permanente et pertinente dans une situation où les facteurs d'incertitude se multiplient. Voilà qui configure notre rapport à la politique. Et la question, c'est comment conjurer l'incertitude ? Et s'installe alors une perception diffuse qu'aucune instance n'est réellement en mesure de maîtriser cette sorte d'ombre portée qui pèse sur le présent. Et ce n'est pas un hasard si la thématique de la sustainability, de la durabilité, joue un rôle aujourd'hui si important. À l'opposé du recouvrement du vivant et du civil qui culminait dans la gouvernementalité de l'État-providence, c'est au contraire cette question de la survivance, de son déploiement dans un espace politique qui devient essentiel. Et cet espace s'est densifié puisqu'il intègre toute une série d'angoisses anthropologiques face à des menaces en tout genre. Pour penser tout cela, et par rapport aussi à des terrains qui m'intéressent, j'introduis la notion de global politique. Cette dimension du global politique prend en compte, bien entendu, la puissance accrue d'un certain nombre d'instances transnationales ou internationales qui jouent un rôle de plus en plus fort par rapport à des questions qui ne sont pas seulement les questions économiques, mais qui sont, on le sait aussi, par exemple, les questions d'environnement, les questions de sécurité, etc. Mais c'est aussi quelque chose de plus fort, le global politique. C'est aussi une façon d'appréhender le monde qui peut avoir, je dirais, une application tout ce qui est plus local. C'est la prise en compte, finalement, de la globalité sur un ensemble de questions qui relèvent de la politique. Le global politique, je dirais qu'il nous projette dans un régime d'anticipation. Il porte le signe de l'incomplétude. Il ne peut pas être circonscrit en termes de rapport de force, ni pensé simplement comme une forme super-étatique. Il se construit à côté de l'univers des partages territoriaux. Il ne s'impose pas nécessairement aux États et aux dispositifs classiques de souveraineté comme un pouvoir englobant. Aujourd'hui, le global politique est dans une grande mesure dans la dépendance de stratégies qui sont des stratégies étatiques nationales. Mais, comme le montre l'impact des initiatives qui ont trait à l'économie de la survie, il impose son régime propre et met sous pression des pouvoirs qui ne le maîtrisent qu'imparfaitement. Et je dirais que le global politique contamine la souveraineté. D'où la manière dont s'imposent un certain nombre de thématiques depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années qui sont maintenant au centre, au cœur de l'agenda politique. Donc, dans ces pratiques, on observe une réorientation des finalités de l'action collective et on observe aussi une pluralisation des acteurs qui interviennent dans cet espace et dans lequel le changement d'échelle reconfigure la formulation des problèmes et les modalités aussi de délibération et de prise de décision. Et je dirais que le global politique n'est pas seulement un espace où s'échangent des arguments, mais on y négocie des orientations qui vont progressivement s'imposer à des niveaux locaux et nationaux. Cette activité a un impact direct sur les agendas des gouvernants. Elle produit des outils nouveaux, elle produit des grilles conceptuelles qui permettent de reformuler des orientations, et c'est ça l'essentiel. Donc, je vous parle de toute cette affaire du global politique pour vous dire qu'il ne s'agit pas de réfléchir, comme le font précisément les politistes ou les spécialistes de relations internationales, sur la question de savoir si un super-État va finalement surplomber toutes les souverainetés nationales. Ce n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est de savoir comment on vit
ce rapport aux incertitudes et ce rapport à la problématique de la survie. Et je dirais qu'on peut le vivre complètement différemment. On peut, et certains le font, se placer dans cette orientation qui consiste à voir dans une prise en compte sérieuse et déterminée de la globalité des questions, des grandes questions, et en particulier on le voit sur les questions environnementales, c'est très frappant, comment elles ne peuvent pas se poser à des échelons simplement nationaux et locaux. Mais on peut aussi avoir une attitude complètement opposée, et face à ces incertitudes, face à ces angoisses, on peut avoir au contraire un refus qui s'oppose précisément aux données mêmes de la globalisation. Et les récents événements, l'élection de Trump, le Brexit par exemple, et les montées du populisme en Europe, pour prendre des événements récents, illustrent une dynamique qui est alimentée par cette problématique de la survie dont je parlais, et qui amène à se focaliser dans une critique de la circulation généralisée et de prendre évidemment des boucs émissaires. On le voit en tout cas dans mon pays, ce sont les réfugiés, et de prendre aussi comme objet de stigmatisation tout ce qui a trait à la circulation des êtres humains. Donc le refus de l'autre devient la condition primordiale de la survie. Cette orientation politique est dictée par un refus désespéré, mortifère des réalités du monde, et on le voit, il n'y a pas, je dirais, une différence de nature au niveau de la problématique entre ceux qui vont se dire favorables à la globalisation et ceux qui sont dans le rejet. Je veux dire par là qu'ils s'inscrivent tous dans un univers de préoccupations qui ont trait à cette incertitude et qui ont trait à cette problématique de la survie. Donc, la question aujourd'hui, c'est que plusieurs axes de recherche sont ouverts. D'une part, je le vois tout autour de moi, il y a un certain nombre de gens qui travaillent beaucoup en ce qui concerne l'anthropologie politique sur tout le développement des mouvements populistes et des formes justement de rejet du global, alors que d'autres s'intéressent à des milieux qui sont très fortement transnationaux et à des instances de décision ou de délibération politique qui sont très fortement transnationales. Maintenant, la question, c'est par rapport à cette difficulté des temps dans lesquels nous vivons, comment entrer justement en résonance avec les difficultés du monde ? Comment pratiquer l'anthropologie sur un mode héraclitéen ? Et c'est mon dernier point. Comment pratiquer l'anthropologie sans la figer ? On le sait, il y a un besoin intense de comprendre par en bas. On ne croit plus aux vertus du regard panoramique. On sait aussi que l'écho qu'a connu l'idée d'anthropologie multisite, multisite, ne tient pas seulement à ses vertus méthodologiques, mais bien plutôt à l'idée d'un pluralisme dans la façon d'enquêter. Pour résumer, je dirais que, en ce qui concerne la position de l'anthropologue, je la définirais comme une position d'intersection. Je dirais que l'anthropologue se trouve projeté au croisement des trajectoires de ses interlocuteurs, dans une sorte de contingence, au point que ceux-ci se demandent à tout moment pourquoi il est là, quel est son projet, et d'ailleurs, ils ne se font pas faute de le lui demander. L'anthropologue est ainsi dans une posture d'implication. Il réalise chaque jour à quel point son vécu est imbriqué dans celui du groupe auquel il participe. Je dirais qu'il peut être défini comme une singularité d'intersection dans une situation dont il ne maîtrise jamais tous les ressorts, et cela, tout en compliquant sa tâche, l'amène à pénétrer aussi les arcanes de la société. Je voudrais aussi lever certaines ambiguïtés que porte en elle une notion qui s'est beaucoup développée, c'est la notion d'anthropologie collaborative. C'est une notion qui a le grand mérite de réintroduire les interlocuteurs dans leur capacité d'initiative théorique. Par exemple, on a montré, je pense à George Marcus ou à d'autres anthropologues, qui ont montré à quel point les sujets que fréquente l'anthropologue ont leur propre conception, ont leur propre, ce qu'ils appellent, para-ethnographie. Et l'anthropologue est engagé dans une collaboration, dans un échange, et tous les discours sont valables, sans hiérarchiser entre l'anthropologue et ses interlocuteurs. Il y a aussi l'idée d'un engagement d'anthropologue. Alors, la question d'engagement, elle est en français
très... Il y a deux formes possibles d'engagement. Il y a un engagement que j'appellerais l'implication, le fait d'être impliqué dans une situation, et ce qu'en français on appelle l'engagement proprement dit, c'est-à-dire le fait d'être intervenant activement dans une situation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, et c'est ça le côté aussi héraclitéen de nos pratiques, et là je parle en tant qu'ethnographe, c'est que nous sommes interpellés par les situations sur lesquelles nous travaillons. Et il est très difficile de s'en abstraire et de prendre une position en surplomb, comme ça a pu être le cas autrefois, où on était dans des situations où on allait expérimenter, on allait voir des gens qui étaient un peu notre laboratoire, et puis ensuite on rentrait, et tout ça se faisait. Moi, j'ai connu l'anthropologie dans les années 1970, vous voyez, c'est pas hier, et je sais qu'à cette époque, on allait sur le terrain, et à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les médias qui permettaient d'être reliés à sa société. Donc, en ce qui me concerne, j'ai été pendant pas mal de temps en Éthiopie, et une fois qu'on était parti, on était parti, et c'était terminé. Mais une fois qu'on était rentré, on était rentré. Et il y avait assez peu de moyens de communiquer avec les autres. Donc, on pouvait aussi, comme il y avait on était censé aussi traduire ce qu'ils disaient, mais on pouvait les traduire à notre manière, puisque les autres ne pouvaient pas réellement vérifier tout ce qu'on faisait, puisqu'on était parti, on était loin, et beaucoup de livres ont été écrits en jouant complètement sur cette distance, ce qui a amené d'ailleurs à les critiquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait quand même cette... Alors qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus, je dirais, impliqués en temps réel dans des situations sur lesquelles nous travaillons. Et ça, il faut jamais l'oublier. Donc, cette idée de collaboration, elle est assez complexe. Est-ce qu'il s'agit d'un engagement au sens politique du terme avec les gens avec lesquels nous travaillons, ou au point que ces gens-là vont non seulement nous prendre comme des experts et nous faire travailler pour leur propre cause, en quelque sorte, et aussi vont collaborer à nos livres ou à nos productions visuelles directement, c'est une véritable question. Il me semble que si l'approche collaborative est importante, à la fois elle pose certains problèmes, et c'est de ça que je voudrais aussi parler, quand je me place du point de vue de la subjectivité d'intersection. Il me semble en effet que cette attitude a tendance à pouvoir donner place, disons, à des stratégies de manipulation de l'anthropologue par ses interlocuteurs et peut donner place à une sorte de refoulement de la capacité critique de l'anthropologue. Donc ce qui est très difficile à ménager, c'est effectivement d'arriver à une relation où chacun dit ce qu'il a à dire et ne pas nier que l'anthropologue a sa propre subjectivité et a aussi sa propre manière de considérer les choses. Donc c'est une question qui est une question, à mon sens, directement politique. Pour le dire autrement, il me semble que l'anthropologie fonctionne toujours au lieu du politique. Qu'est-ce que je veux dire ? Pourquoi j'introduis cette notion ? C'est qu'il me semble que nous avons tous en commun le fait de travailler sur le terrain, le fieldwork, et par définition, le terrain, c'est un lieu, c'est un site. Mais en même temps, lorsqu'on dit « nous travaillons sur le terrain », ça veut dire que nous avons une relation qui est une relation qui peut être faite de rapports positifs, négatifs, compliqués, etc., et que nous sommes, en quelque sorte, nous recréons aussi de la politique dans notre travail. Je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais c'est un peu mon point de vue. Et j'ajouterais que l'un des fantasmes et l'un des mythes, je dirais, de l'anthropologie, c'est l'idée que ce lieu est une sorte de communauté. C'est un mot qui a un peu disparu, mais qui a été longtemps un peu le cœur du travail anthropologique, de restituer une sorte de communauté et de restituer aussi, par là même, une sorte d'harmonie, soit une harmonie de gens qui se différenciaient des autres parce qu'ils formaient cette communauté, soit des gens qui aboutissaient par leur cohésion à créer cette communauté. Et là, vous avez des modèles qui sont des modèles fonctionnalistes ou des modèles structuralistes qui rendent compte de tout cela. Mais il me semble qu'on oublie toutes les tensions, effectivement, auxquelles nous avons affaire et dans lesquelles nous sommes également impliqués, justement. Et donc, cette idée qui rompt avec une certaine tendance à réifier un petit peu les lieux où nous nous trouvons, elle implique que l'anthropologue est toujours à la fois une subjectivité d'intersection, mais aussi une subjectivité d'intrusion.
Et j'insiste encore sur un point qu'on a tendance peut-être quelquefois un peu occulter, et souvent d'ailleurs dans les comptes rendus qu'on donne des recherches, c'est qu'en fait, l'anthropologie, c'est quelque chose de très violent. C'est-à-dire que le fait d'arriver chez les gens, le fait de les questionner, le fait de les regarder, le fait, etc., etc., ça suscite des effets. Violence qui peut être retournée, je ne dis pas que ça soit... Rien n'est à sens unique. Donc je vais m'arrêter, je vois qu'on me fait signe. Mais je veux dire que là aussi, nous sommes dans une sorte de question qui est la question d'une politique de l'anthropologie par rapport à ce devenir du monde. Et pour conclure, je dirais qu'il me semble que ce qu'il faut arriver à penser, finalement, c'est à la fois ces transformations et avoir une vision assez conceptuelle et théorique de ce qui est en train de se produire. Et en ce qui concerne le politique, cette montée en puissance de la thématique de la survie, et par ailleurs, des moyens avec lesquels nous pouvons penser en termes de devenir, et pas en termes figés, mais en termes mobiles, notre position, nos déplacements, et le fait qu'en travaillant, nous déplaçons aussi quelque chose. Et nous déplaçons quoi ? Nous déplaçons une certaine manière de voir, qui est comme une sorte de donnée au départ, quand on parle de telle ou telle chose, et nous, notre travail, c'est de montrer que ce n'est pas si simple, et parfois de disloquer, je dirais, les idées reçues. Et là, je m'arrête là, et je vous remercie. Nous avons encore quelques minutes, 8 minutes à peu près. We have about 8 minutes left, so I think that it's time we can take maybe one or two or three questions. You may ask the question in language of your choice. On va avoir quelques minutes pour des questions, s'il y a une, deux ou trois questions, parce que le temps court très vite. Et vous pouvez poser des questions dans la langue de votre choix. I think we'll just pass it around. I'll just, yeah. So maybe, I saw a hand back here. Merci. Pour votre intervention, Monsieur Abeles. J'avais une question. Vous nous disiez qu'il faut faire plus attention aux incertitudes et aux perceptions du risque. Ma question, ce serait, est-ce que toutes les incertitudes se valent ? Donc, il y a des travaux récemment qui s'écrivent sur le sentiment d'incertitude des banquiers à Wall Street, par exemple, comme il y a des travaux sur l'incertitude dans les économies informelles en Afrique. Et donc, être banquier sur Wall Street ou être citoyen du Cameroun, par exemple, on fait face à une incertitude, oui, mais est-ce qu'elle se valent ? I can translate in English as well. My question was, Mr. Abeles was saying that anthropologists need to attend to uncertainty and risk in a globalized world. And my question was, are all uncertainties equivalent? Are the uncertainties felt by Wall Street bankers the same as uncertainties felt by people in informal economies in Africa, for example, is the example I've used. Thank you. Alors, je réponds, je dirais que les incertitudes dont je parle ont trait à la vie, en fait, et ont trait à la question de la survie. C'est-à-dire, c'est pas seulement... Effectivement, il y a toutes sortes... Quand on prend... Une notion comme, je dirais même pas un concept, mais une notion comme celle d'incertitude, il est bien évident que c'est une notion extrêmement large, mais moi je la spécifie en insistant sur le fait qu'il s'agit de l'individu vivant. Je reprends justement cette idée de Foucault concernant le bios, en fait, qui me paraît essentielle pour ce dont je parle. Donc c'est la considération qu'on est un individu vivant qui est menacé ou pas menacé dans sa vie qui devient absolument essentielle. Après, il y a toutes sortes d'autres... On n'est pas sûr, je ne sais pas, que son moteur ne va pas tomber en panne dans la journée, que je ne sais pas quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je le prends dans ce sens-là pour préciser un petit peu ma pensée. Mais je reconnais que c'était un petit peu général. Je te montre, je ne sais pas si tout le monde entendra si je pars sans le micro. Ah, oui. Oh, OK, sure.
Oui, peut-être justement dans la lignée de ce que vous venez de répondre à la question précédente, quelle est la place que vous faites à l'environnement, à la question environnementale, dans cette idée d'une politique de la survie? Je pense qu'elle est très importante, non pas du tout que je sois... Marc, should I translate? I don't know if I'm able to translate. Or is there someone translator? Should I translate myself? Oh, it's not working. Oh, I didn't catch that. So what in the anthropological approach to the politic of survival, is that the way it's translated in English? What is the role, or how does Marc Abeles look at the issue of the environment, environmental issues? Oui, je dis, elle est très importante, non pas que je sois un spécialiste des questions d'environnement, mais il me semble que, et ça je l'ai observé notamment dans des discussions qui avaient trait dans les années, à la fin des années 1980-90, dans beaucoup de lieux internationaux, enfin transnationaux, et qui traitaient justement de la question, quand est apparu en fait le concept de développement durable, de sustainable development. C'est un moment où, tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience, bien sûr, de questions qui avaient trait à l'environnement, mais surtout de questions qui avaient trait au futur de l'humanité et au fait qu'il s'agissait d'un enjeu proprement politique. Et ça, on a très bien... Enfin, ceux qui l'ont observé d'assez près ont pu mesurer que, sur ce plan-là, il y a eu, tout d'un coup, une mutation qui consistait, d'une part... à voir l'émergence d'un problème qui concernait l'homme comme sujet vivant et le fait que ce problème ne pouvait pas être réglé par les instances traditionnelles, politiques traditionnelles. Ça a été pour moi un des premiers moments importants dans cette transformation, si vous voulez. Thank you very much. Merci beaucoup d'être venu et merci pour vos questions. Je pense qu'il y a une réception. On peut encore poser des questions à la réception. S'il vous plaît, n'oubliez pas vos écouteurs à la porte, mais aussi le bulletin de vote pour l'Union internationale. So please remember, I want to thank again Monsieur Abeles for coming here. We're going to have time to discuss more with him, I think, at the reception at our leisure. Please do not forget to leave your headsets and your voting ballots in the box at the front as you leave. And thank you, Julie, for the interpretation. Merci à Julie Laplante for l'interprétation.